Bon, allez, on se voit demain. Passez une bonne journée. À demain. Amuse-toi bien. Voral ? Monsieur Rezat, j'ai quelques... On y va. J'ai quelque chose à faire, je vais vous voir bientôt. À bientôt. Tard. À bientôt. Comment ça va, Mustapha ? Tout va bien ? Très bien, monsieur, on travaille. Bonne soirée. À vous aussi. Allô, oui. J'ai cru que tu n'allais répondre à aucun de mes appels aujourd'hui. Je sais, je sais. Comment ça va? Est-ce qu'ils vont publier le livre? C'est génial, très bien. Les fleurs? Je les ai envoyées tôt ce matin, tu les as aimées alors? Mais je t'en prie, écoute, moi ce que je voulais, je n'ai pas besoin d'avoir de raison, non? Bien sûr. Je n'abandonnerai pas. Écoute-moi. Est-ce qu'on peut avoir ce dîner que je te demande depuis un long moment, ce soir, hein? Tu en dis quoi? Eh bien oui, mais ça fait un moment que je m'affame. Très bien, c'est parfait. Vraiment super. Alors, dis-moi, à quelle heure je devrais venir te chercher, Gaillet? 7h30, alors d'accord, ça me va très bien, on se voit à 7h30. Bien. Bien sûr qu'on aura une table réservée. Écoute, je fais une réservation tous les soirs, juste au cas où tu accepterais. D'accord, ma chère. On se voit à 7h30 précise. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, Erdogan? Alors, Gaillet sera avec toi? Elle est... Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, je dois me dépêcher, je dois me préparer et aller la chercher. Je pense que tu devrais te donner un coup de peigne. J'aime qu'il soit bouclé, mon garçon. Ismaël. On dirait qu'il en sait beaucoup sur Mustapha. Eh? Eh bien, maintenant, il me met la pression. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Tu vas t'occuper de quoi exactement? Tu m'as dit la même chose concernant Mustapha, mais il est toujours dans les environs. Hier, il a dîné avec son ami prostitué au même endroit. Il peut boire un coup, dîner et se promener dans les environs, mais Mustapha ne peut rien faire. Tu as oublié que le pistolet était dans notre coffre-fort? Mustapha n'est plus un danger, mets-toi ça dans le crâne. Oui, mais il n'est plus un danger pour qui? Il n'est pas un danger pour Rezat Yasaran? Et il n'est pas un danger pour le fils de Rezat non plus, parce que le pistolet les a sauvés, mais pas toi ou moi. Mais dis-moi, est-ce que tu vas te calmer un peu? Tu vas devenir fou à cause de Mustapha, alors appelle tes amis et sors et va t'amuser. Relaxe-toi. Allez, j'ai beaucoup de choses à faire et je dois partir. À plus tard. Oui, allô? Comment ça va, Mustapha? Je suis occupé, là. Désolé, je t'appelais pour te demander à quelle heure tu arriveras ce soir. Je sais pas, pourquoi tu demandes ça? Relax, je vais aller au salon. Non, ne fais pas ça, Assou, attends-moi. Mais je peux y aller et revenir. Je t'ai dit non. Tu comprends pas ce que je te dis? Je vais t'y conduire ce week-end, c'est pas nécessaire, reste là. Pourquoi tu fais ça, Mustapha? Assou, ne me contrarie pas. Très bien, d'accord. D'accord. Mais s'il te plaît, reviens vite. Je vais essayer. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans le bureau de Rezat Yasaran et devant son coffre-fort? Tu es en train de voler la compagnie? Je cherche juste à boire. Oh, de l'alcool? Alors tu n'aimais pas ce qu'il y avait là et tu en as cherché plus dans le coffre-fort?
Alors, tu cherchais le pistolet, hein? Quel pistolet, c'est ridicule. Tu voulais le prendre pour te sentir en sécurité, c'est ça? Vural! Qu'est-ce qui se passe? On cherchait quelque chose à boire. Et j'imagine qu'on va sortir maintenant. Oui, parce qu'on en a vraiment besoin. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Tu n'avais pas un sac, toi? Il est dans la voiture. Allons-y. On va trouver un endroit sympa et on pourra boire un verre ou deux. Je déteste avoir toujours ce type-là dans les pattes. Il faut que tu l'ignores, comme si c'était un gars ordinaire. Pourquoi je dois supporter cette torture? Tu pars? Et attends-moi, espèce de lâche. Je démissionne de ce boulot. Regarde-moi. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Bonsoir, bonne soirée. Vural, écoute, il n'y a plus rien à craindre. Crois-moi, il ne pense pas du tout à nous. Hein? Tu crois ça? On prend la voiture. Tu peux prendre ta propre voiture, je ne viens pas avec toi. Ne sois pas rabat-joie, je croyais qu'on allait discuter et boire un coup. Je veux que tout le monde finisse son assiette, hein. Fini. Donne-lui en un peu, Myriam. Il peut manger plus s'il en reste. Ça va? Je mange, c'est chaud. Ta tante l'a préparé, alors mange. Ça a l'air drôlement bon. J'espère que tu aimeras. Tu veux bien me donner un peu de riz, s'il te plaît, Myriam? J'aime ça depuis que je suis tout petit, tu sais. Et je mélange tout. Tout va au même endroit, non? Au même endroit, de toute façon. Moukades de Guirmen? Moukades de Guirmen? Ce n'est pas vous? Sassid Basekmes? Entrez. Ma maman, papa, mon cher papa et ma maman. Arrête,
Ils seront encore plus en colère si tu continues à agir comme ça. Garde la tête haute. Qu'est-ce que je vais faire, et maintenant? Ce n'est pas toi qui décides, Rami. Alors tu dois être fort et tu protèges ta sœur maintenant. D'accord? Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi? Vivre. Assieds-toi, une minute, Rami. Voilà, Rami. Assieds-toi. On revient. Tu restes assis ici. On va s'occuper de la paperasse. Ne t'inquiète pas. On va s'en occuper. Je me demande de quel docteur on a besoin. On peut demander. Il doit bien y avoir quelqu'un à qui parler. Toutes mes condoléances, madame. Je suis désolé pour vous. C'était quelqu'un de proche? Je viens de perdre mes deux parents. On partait d'un mariage. Il conduisait un tracteur devant nous. Et Fatma Goul et moi, on les suivait. On roulait derrière eux. Mais leur phare ne marchait pas, ils n'éclairaient plus, ils étaient cassés. Ils ne pouvaient rien voir et l'accident. Maintenant, ma mère et mon père sont morts. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je dois prendre soin de ma petite sœur à présent. On n'a personne d'autre avec nous. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'espère que vous trouverez de l'aide. Quel âge est-elle, votre sœur? Elle a 12 ans. Elle est jeune. Tellement jeune. Elle va grandir et se marier. Elle sera une mariée. Mais nos parents ne pourront pas le voir. Ils ne me verront pas non plus. Qu'est-ce que je vais faire tout seul? Comment je peux m'occuper de tout? Je suis pas du tout doué, moi. Ma sœur est tellement jeune. C'est quoi votre travail? On a une ferme laitière. On s'occupe de tout. Mais comment je peux gérer ça maintenant? Tout seul? Moukaddes, tu penses si fort que ça s'entend d'ici. Qu'est-ce que j'ai? T'as du yaourt sur la bouche. Désolé. Eh ben, y en a plus. Ça va? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Moukaddes? Tu es si calme. Tu es malade? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as mal quelque part? Tout va bien. Je n'ai plus faim. Bon appétit. Moukaddes, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas. Dis-le à ton mari, dis-le-moi. Il n'y a rien, Rami, rien. Si, il y a un truc. Dis-moi si j'ai fait quelque chose de mal. Dis-moi, est-ce que tu es en colère? Non, Rami, je suis fatiguée. Je vais dormir. Occupe-toi de Mourad plutôt. Ouais. Tu m'appelles hein, si tu as besoin de quelque chose, d'accord? D'accord, Rami, ok. Je ferme. Merci, Rami. À plus tard. Merci, mon amour. Tu as fini? Allons te laver les mains, alors. Elle a filé dans sa chambre et il est encore tôt.
Il se passe quelque chose d'étrange. Où qu'elle soit allée aujourd'hui, je sais qu'elle a menti. Eh Bénin, je vais aller marcher. Ah bon, tu vas aller où? Je ne sais pas, je vais me promener. Mange avant, s'il te plaît. Ne me contrarie pas. Laisse ça. Je vais le faire et tu peux aller étudier, toi. J'irai quand j'aurai fini. Non, c'est bon. Je m'en occupe. Allez, vas-y. Merci. Mustapha? Où est-ce que tu allais? J'avais besoin de faire quelques courses pour la maison. Je t'avais pas dit de rester à l'intérieur? Chut, on est en pleine rue, Mustapha. Viens là. Mustapha, mais qu'est-ce que tu fais? Allez. Mustapha, tu me fais Alors mal. Alors t'es allé chez le coiffeur? Pour qui tu t'es fait belle comme ça? Je pensais que je pouvais. J'étais déjà dehors. Avance. Pourquoi t'es allé au salon de coiffure? Pourquoi tu m'as pas écouté? Bon sang, ne crie pas, les voisins vont entendre. Allez, monte. Hé, doucement. Dis-moi la vérité, t'étais où? Je t'ai dit que je suis allée faire des courses, tu le vois pas? Dis-moi dans le lit de qui tu étais. Mais t'es pas bien, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors dis-moi, est-ce que Samy t'a trouvé un autre gars, hein? Non, mais t'es fou ou quoi? Je t'ai dit que j'étais allée faire des courses. Tu pouvais pas rester ici, t'as raté ta misérable vie. Je n'ai aucune raison de te mentir. Je suis avec toi parce que je t'aime. C'est pour ça que je supporte tout ça, tu comprends, Mustapha? J'essaie d'oublier qui je suis, alors arrête de me le rappeler tout le temps. N'en reparle pas quand tu es en colère. Arrête d'en parler maintenant, Mustapha, arrête! Arrête! Ne me crie pas dessus ou alors je vais t'étrangler! Écoute, je ne peux être avec personne quand je t'aime. Je ne peux aller avec personne quand je suis avec toi. Je ne suis pas aussi déshonorante que tu le penses. Je ne suis pas infidèle. Qu'est-ce que tu dis? Tu penses que je te fais honte? Tu te sers de moi pour te sauver. Tu fais ça parce que je ne suis pas Fatma Ghoul. Je te préviens, ne prononce plus jamais son nom, c'est compris? Ça semblera sale sortant de ma bouche, hein? On devrait peut-être essayer. Fatma Ghoul, Fatma Ghoul, Fatma Ghoul, Fatma Ghoul, Fatma Ghoul. Ah! C'est l'heure de faire une pause, un thé. Oh, tu n'aurais pas dû. Oh, merci, Myriam. Eh bien, j'espère qu'il te plaira. Oh, tu es ici, je pensais que tu dormais. Je vais te faire une tasse de thé, d'accord? Non, tout va bien, tout va bien. Mourad dort?
Il est en train de dormir avec Moukades. Qu'est-ce qu'elle a, dis-moi? Je ne sais pas. Elle est peut-être fatiguée. On a tous des mauvais jours, ça peut changer d'un jour à l'autre, vous savez. C'est comme ça. J'aimerais qu'on puisse partir. J'aimerais qu'on ait une maison toute neuve. Tu pourrais aller à l'école. On serait tellement heureux tous les deux. Papa viendrait aussi? Il viendrait aussi. Toi et moi et papa. On irait là-bas seulement tous les trois. Et tu pourrais m'acheter beaucoup de jouets nouveaux, hein? Bien sûr qu'on achèterait de nouveaux jouets. Fatma Ghoul, ils ont annoncé les dates des examens. Vraiment? Les 7 et 8 mai. C'est bientôt. J'espère que je pourrai être prête d'ici là. Si tu continues à étudier comme ça, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu vas réussir. Tu suivras de nouveaux cours jusqu'en juin. Regarde ici. Ils ont aussi annoncé les dates des examens de rattrapage. Tu sais, je veux vraiment te voir réussir. Je vais réussir. Myriam, j'ai une question à te poser. Pourquoi son père a quitté sa mère? Oh, si c'est personnel, peu importe. Ne me dis rien. C'est une histoire très courante. Une autre femme. Un nouvel enthousiasme. Une femme qu'il aime vraiment. Un enfant qui va bientôt vouloir voir son père. Une mère qui ne peut pas supporter le poids de la culpabilité ou de la honte. Leurs vies sont comme des feuilles mortes. C'est tout, c'est triste. Qu'est-ce qui se passe? Rien, mon frère. Ne pleure pas, Asu. Je suis désolé. Ta coiffure te va bien. S'il te plaît, fais pas ça, Mustapha. S'il te plaît, arrête. Il faut que tu arrêtes de me frapper. Je ne veux pas te faire de mal. C'est juste que parfois, je n'arrive pas à me contrôler. Mais tu sais, me faire du mal ne t'aidera pas. Ça me fait juste souffrir. Je ne suis pas aussi forte que ce que tu penses. Je suis fatiguée et je suis blessée. Si tu veux partir, fais-le. Mais ne me blesse pas.
me blesse plus jamais. Viens là. On a tous les deux nulle part où aller. Et tu sais qu'on ne peut compter que l'un sur l'autre. Ah, doucement, Kérim, doucement. Hé, fais attention. Regarde, Fatma Ghoul ne dort pas, on dirait qu'elle t'attend. Elle attend vraiment. Elle attend. Allez, mon ami. Allez, rassemble tes esprits. Sinon, elle risque de te faire une scène de ménage. Ouvre la porte. Je vais me faire disputer aussi, et ce sera ta faute. Elle me demandera pourquoi je t'ai pas arrêté. Ok. Tu peux y aller maintenant, mon ami. Je devrais m'assurer que tu rentres bien. M'en aller à la maison. Chut, tu vas tous les réveiller. Chut. Allez. Allez. Désolé, il a pas mangé. Et puis, il a bien trop bu. Et maintenant, tu peux voir ce qui s'est passé. Allez, mon ami. Tu peux y aller. Non, il faut d'abord que je te mette au lit. C'est bon, je peux le faire. Pas de problème, je vais t'aider. Non, merci. Très bien, je te le laisse alors. Bonne nuit à tous les deux. Demain, merci. Merci, bonne nuit. Ne fais pas de bruit et ne réveille personne. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. D'accord, va te rincer le visage.
Comme c'est facile d'implorer le pardon. C'est parce que tout le monde connaît sa propre peine. Si on savait combien a souffert l'autre, on ne serait peut-être pas assez courageux pour demander. Le coupable doit... C'est prêt. Je vais les mettre au frigo. Oh, Emery, dis-moi ce que tu as attrapé. Eh bien, j'ai une boîte de thon pour toi et une boîte de maquereau dans la voiture. Où est le poisson? J'en ai besoin. Très bien. Je peux? Je mets cela à l'arrière. La boîte est dans la voiture. Ok. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Donne, je vais le prendre, Emery. Oh. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Et comment va Kirim? Bien. Tu n'es pas en colère, hein? Bien sûr que non. Il était tellement sensible hier soir. C'est ça qui l'a rendu ivre, pas la boisson. Il a beaucoup parlé. Sa bouche n'a pas arrêté de bouger. Kerim est tellement amoureux de toi, Fatma Ghoul. Vraiment. Que vous puissiez être heureux tous les deux. J'espère un jour être comme vous. J'espère trouver la bonne. Assieds-toi, je vais te servir ton thé. Non, mon père attend. Il m'attend, je dois y aller tout de suite. Bonjour, Errol. Salut, comment vas-tu? Ah, je vois que Rami est ici. Je vais bien. Rami? Salut. Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je voulais venir te voir. D'accord. Tu veux t'asseoir? Fatma Ghoul peut te servir de son dessert si tu en veux. Il y a aussi du thé frais. Oh, ce serait bien, vraiment. Berk, viens ici. Bon, eh ben, bonne journée, il va falloir que j'y aille. Le thé arrive, Rami. Emery, attends, merci. On devrait revoir la facture. C'est si sympa de s'asseoir quand c'est calme. Retourne travailler, je suis bien. Alors, Rami, tu es vraiment venu sans raison? Écoute, tout va bien, Fatma Ghoul. C'est juste que Moukadès nettoie la maison, et elle m'a dit de ne pas rester dans ses jambes, elle m'a dit de sortir. Qu'est-ce que font les autres? Ils vont bien. Kerim est parti à l'atelier, et Bénine est parti à l'herboriste, et Moukadès nettoie la maison, c'est tout. Tu fais quel dessert aujourd'hui? Du gâteau avec du sirop. Oh, je l'adore celui-là. Je vais t'en apporter. Et voici ton thé, Rami. Merci. Régale-toi bien. Merci beaucoup.
Allô? J'arrive. J'ai enfin trouvé un prétexte, si tu crois que c'est facile de quitter la maison. Je vais prendre un taxi maintenant. Alors comment je peux trouver l'endroit? C'est la route sur la côte? Je rappelle quand je suis plus près. Ok, on se voit là-bas. Salut. À tout à l'heure. Taxi! Salut, comment ça va, Myriam? Kerim, cette femme manigance quelque chose. De quoi? Elle est partie de la maison en taxi. Je suis sûre qu'elle rencontre à nouveau ce lâche de Mounir. C'est pas possible. Je la suis avec le pick-up. Je ne la perdrai pas de vue, t'inquiète pas. Ne fais pas ça, Myriam, ce ne sont que des ennuis. Non, Kerim. Si cette femme fait quelque chose de mal à Fatma Ghoul, je ne vais pas la laisser faire. J'en ai assez des Gasparan. C'est déjà trop qu'il continue à nous poser des questions. J'arrive, tu es où? Je la suis maintenant et je ne peux pas t'attendre. Je t'ai appelé pour te prévenir. Essaie de rester calme. Je ne laisserai pas s'en tirer comme ça à nouveau. Ah, ok. Je dois raccrocher. Tu vas me rappeler. D'accord.